وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Quand on nie un manquement, le fait de nier quelque chose ou un attribut ou une caractéristique qui peut être mauvaise, ce n'est pas une louange en soi. Nier une mauvaise caractéristique, c'est une louange quand on affirme son contraire dans la perfection ou dans la complétude. On connaît cela pour ceux qui ont étudié l'aqida dans les sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les noms et les attributs d'Allah. Quand on nie certains attributs de manquement à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est pour affirmer son contraire dans la perfection. Quand Allah ta'ala dit qu'il ne dort pas, c'est-à-dire son contraire, c'est qu'Allah huwa hayy, c'est lui qui a la vie parfaite subhanahu wa ta'ala et complète. Wadih, qu'il est éveillé, c'est lui qui s'occupe de tout subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa qur rabbi zidni ilma.